Salut tout le monde, donc là on est sur G2 contre Mouz, c'est le match du 2-0, match potentiel pour la qualification. S'ils perdent G2, c'est pas grave, ils ont encore pas mal de chance. C'est un BO3, les maps sont Train, D2 et Vertigo. Vertigo en troisième map. Il y a de bonnes chances pour G2 vu le mappool, honnêtement. Là, le choix de la map c'est Mouz, derrière c'est D2 qui pique D2 comme d'habitude. Et après, c'est Vertigo. Et Vertigo, c'est encore une map qui est jeune, elle a eu encore des ajustements et tout. Donc, G2 peut potentiellement gagner 2-1, 2-0, même s'il gagne Train ou des choses comme ça. Donc, on va voir là direct. Faites-vous kiffer. On va se mettre en auto. Et c'est parti. N'oubliez pas, les potes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Si vous voulez des matchs commentés, des analyses, des tutos, s'abonne à YouTube, ça fait plaisir. Et tout dans la description, Instagram, il y a tout. Si vous voulez follow, poser des questions, let's go. Shox, il viole des grosses daronnes direct au niveau du béba de Robs qui a voulu le pick au P250. Karrigan qui tue Jax qui avait push le team main. Kenyes qui push à son tour. Il attend la flash. Là, il joue un peu son duel histoire de mettre un peu de pression. Et il lâche la zone. On est sur un 4v4. On part sur une exec XT. Là, on est en train de se regrouper Pop et tout. Karrigan est déjà sorti. Kenya, c'est bien là. Il est en fer, il est caché. Il est sur la gauche de Karrigan. Ça y est, on se met sur Kenny. Voilà, Kenny qui gagne son duel. Faut pas qu'il meure parce que là, il peut rester en point d'appui. Gros round de Kenny là pour le moment. Gros round de Kenny qui reste en point d'appui. Faut pas qu'il meure. Belle, belle couverture de Lucky. Belle couverture de Lucky qui avait le cul de Kenny. Et là, on fait un beau pistol de la part de G2, bien maîtrisé. Kenny qui se replace correctement. Il était dans le team main, il met présence pour la pression. Derrière, il se replace au niveau de l'enfer. Lucky qui a son cul. C'était pas mal. C'était un beau GR de G2. Mouz aussi, hein, ils arrivent à planter la bombe et tout. Donc ça va leur faire de l'argent. Et pour l'instant, G2 qui rentre bien dans son match. Personnellement, j'ai parié 50 euros sur G2. On croise les doigts très très fort. Parce que j'ai parié 100 euros sur Vitality. Et je les ai perdus. Parce que ces grosses chèvres. Ils ont throw comme jamais. Contre des nazes en plus. Donc là maintenant 50 euros sur G2. On y croit pour la qualification. Parce que c'est des Français. On aime. Lucky qui garde la ligne XT. Il y en a un qui s'est infiltré au lof. Karrigan. Mais il est vraiment low HP. Je pense qu'il va être vite. Vite. Vite, vite, vite éclaté. Voilà, il a pris la HE. Kenny le tue. Robs qui prend une mollo. Il est obligé de lâcher le pop. Jax très agressif. J'aime beaucoup comment G2 joue Train. Faut le savoir. Ils se sont vraiment, vraiment, vraiment améliorés sur Train. Je trouve qu'ils sont. Ils sont pas arrivés à maturité non plus dessus. Mais je trouve qu'ils le jouent bien. Jax, il joue très, 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 très agressif son team main. Les repositionnements sont plutôt bons. Ça coulisse bien au niveau de la défense. On peut voir que là, ils sont assez dynamiques. Ça fait deux fois que ce soit pistol ou là l'anti-écho où Kenny et Jax ils rentrent dedans déjà dans le team main pour donner du tempo pour montrer un peu de force physique donc c'est pas mal. Amon est... oh là là le babouin! Oh le babouin! Bon, c'était pas avec Kenny, c'était avec Amanek visiblement. Et là Kenny se fait torcher le cul au niveau du IV donc il perd son petit scout. Woxic qui récupère un scout, ça peut être dangereux. Hein. Il est très très bon Woxic. Voilà, Lucky qui bait le shot. Oh là là là. Là, aïe aïe aïe. Oh là là. Lucky il a fail un peu. Il a un peu fail. T'as bête sur le pistol non, ça me le prenait pas en compte. Je voulais bête les pistoles en plus, mais ça me le prenait pas en compte. Parce que G2, ils ont des bonnes stats sur les pistoles depuis le début. Round armé. Kenny. Qui reste à l'USP. Allo, allo, allo. Allo, Kenny. Ah, ça va, il a la WAP. Il y est allé en Glass Cannon. Glass Cannon, ça veut dire AWAP sans Kev. Ceux qui savent pas. Voilà, c'est Train de toute façon, c'est des rounds d'observation. Wesh, 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 il me fait quoi le jeu là? Attends, je retourne Windows. Ah, désolé, c'est bon. 55, Kenny a pris une grosse HE, puis il n'a pas de Kevlar, il a 40 HP, donc c'est chaud, il a été obligé de lâcher le IV. Il a été obligé de lâcher le IV. Et maintenant, on a une round d'observation, contrôle tranquille. Amanek, il va avoir la responsabilité du IV.
Il l'a poké, il finit son duel. C'est vraiment bien ce qu'a fait Manek là. Surtout à l'UMP, il gagne un duel contre une AK. Krigy a réussi à s'infiltrer. Backlines. Backlines, ancien BP, tout ça. Oh là là. Lucky qui se fait one taped. Voilà, Shox qui fait un petit kill, un pour un. Le B est pris. Amanek qui fait le kill sur Krigy parce qu'on savait déjà qu'il était au fond. On est en 3v2 désormais. Frozen va récupérer une AK très probablement. Et par contre, Robs, là, il est vraiment bien positionné, les gars. Là, c'est très très chaud. Ah, Amanek n'était pas du tout naïf, mais ce qui va, ça va permettre de donner les infos. Un petit timing, là. Un petit timing. Allez, Frozen, meurs de dos, mon pote. Allez, Jackie. Allez, Jackie. Allez, Jackie. Oh non, non. Allez, sur ta gauche. Voilà. La bombe n'est pas posée pour Robs. La bombe n'est pas posée pour Robs. Mais 10 secondes, ça passera pas. Hein. 10 secondes. Oh, oh mon dieu. Kenny qui était resté dans le Z, qui s'est pas commit, qui a pas voulu prendre le risque de perdre son sniper ou quoi, je sais pas. Robs qui réussit à garder son AK pendant que les terreaux ont posé la bombe, ça leur fait de l'argent. Gros round de la part de G2. Je suis vraiment content d'avoir vu Amanek rester au spawn CT, pas naïf du Robs, qui avait push. Donc c'était vraiment super intéressant là le round. G2 contre Mousse, 3-0 qui a été mis pour le moment côté G2. Ça joue bien, ça coulisse bien. J'espère que ce timeout va pas les déchauffer. On a un setup double snipe très intéressant. Très 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 intéressant. Moi je kiffe de ouf le double snipe, faut le savoir. Je trouve que tactiquement ça t'apporte une plus-value. Surtout contre des équipes comme Mousse qui sont académiques, très structurées et tout. Que c'est pas des Russes à rusher dans les smokes. En tant que sniper, tu peux très rarement te faire surprendre. Et là, on a une exec en A, ex direct. Ils veulent rentrer dedans. Ok, non. Allez, let's go. Tu en poses code Ziwu. Je connais pas. Là, waouh. On a Manek qui fait. Qui met l'OHP Frozen. Mais on a Jax qui fait un kill à la mollo. Frozen a toujours 5 HP, donc ça c'est bon délire ça. Chris est mid HP. Oh là là, Jackie qui vient de mettre 2 balles à Chris, c'était incroyable. Allez, on a Frozen toujours à 1 HP, donc là c'est vraiment bien ce qu'a fait G2. Jax, on peut dire merci là, il a fait le taf avec sa mollo et son gros headshot. Ah, Manek aussi, hein, il a mis le HP Frozen, faut pas l'oublier. Et on a toujours le setup double snipe, donc on a des long lines. Voilà, et Lucky qui fait le kit sur Kerrigan. Frozen est toujours le HP, donc lui va être vite éclaté. Peut-être qu'on sera un peu surpris. Non, Jax qui fait le triplé maintenant sur Frozen. Rob se retrouve dans la merde et va rien pouvoir faire. 1v4, la bombe est à terre dans le A. Il check un peu son B, voir si quelqu'un l'a push. Mais voilà, c'est... Ok. Jax, il vient de quelle structure? Epsilon, frère, je joue avec lui, moi. Je joue avec lui chez Epsilon. Après, il a été recruté chez 3D Max. C'est là où il a vraiment, 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 vraiment progressé avec 3D Max. Et maintenant, il est chez G2. Voilà. Et à la base, chez Epsilon avec moi en 2017-2018. Toute fin 2018, il a fait 3D Max. Et après, G2 l'ont recruté début 2019. Mmh. J'ai pas la pub. Ah, moi je suis content. Il vaut quoi? Jax, quel frère. Ah vraiment, et c'est vraiment un bon gars. Je vais pas faire le gars parce qu'on a joué ensemble et tout. Vous le savez très bien, je joue avec plein de gens, c'est des gros fils de pute. Mais Jackito, c'est vraiment, vraiment un bon gars. C'était le seul quand j'étais chez Epsilon à me faire me sentir à l'aise, alors que j'étais pas à l'aise du tout. Avec les autres hypocrites, là. C'est surtout un bon gars, Jax, croyez-moi. Un très bon joueur, mais il a une mentalité de dingue. Il a une mentalité de dingue, il critique personne. Même quand il entend quelqu'un critiquer, il dit hey, dis pas ça, vas-y, c'est pas gentil, tu le connais pas, tu sais pas, tu connais, tu sais pas et tout. Vraiment, il a une grosse, grosse mentalité de ouf. Round de merde pour Mousse. Round de merde pour Mousse. On a tenté un peu le scout chez Woxic, des petits jiggles et tout ça. On fait sauter la ligne. Kenny. On va reprendre la ligne sur le scout.
Jackie lui met un gros de balle. Jackie double kill. C'est pas mal là, c'est pas mal là. Jackie il est dans son match. Mm-mm-mm-mm-mm. 5v3. On n'a pas la bombe, mais on est bien. On est vraiment bien. Et là, si j'ai bien compris, c'est Shox qui joue le B. Donc là, c'est Shox le B fixe. Ah oui! On est parti sur un sacrifice total. Ah, putain, j'ai le bug là de... Shox B fixe. Oh ouais, carrément. Alors qu'avant, c'était... C'était Lucky en galère. Vous voyez pourquoi je vous dis que Shox, maintenant, dans les stats, ça va plus du tout être pareil. Il se sacrifie vraiment beaucoup, quoi. Par rapport à son leadership, c'est vraiment bien. Non, il n'y a pas de période d'essai dans un contrat de CS. Ouais. Là, je qui passe un peu, qui met dans le mal un peu Jax, 85 HP. Pareil pour Lucky, 92. Round d'observation, c'est très lent en mousse, c'est structuré, très lent. Ça contrôle map. Robs qui arrive à prendre son B sans trop de problèmes. Il n'est pas contesté de toute façon. On peut voir sur la carte. Par contre, on joue à 2B là. Depuis tout à l'heure, on était 4 en 1, maintenant on joue à 2B. Donc là, on va faire une CPL en A ou peut-être un fake pour faire un appel de contre-stuff et aller rediriger B. Ah, bah c'est une exec en A. Voilà, Kenny qui fait double kill. Triple kill maintenant de Kenny. Très très chaud, mon poteau. Quadruple. Ah non, Frozen qui fait double kill qui revenge. Amanek qui fait un spray totalement foiré. Et là, on est de retour en 2v2. Mais on est bien parce qu'on a la bombe à terre. Frozen et low HP. Voilà, Shox qui fait le kill sur Kriji. Frozen maintenant et low HP. Donc ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Attention à cette arme par contre, elle est ultra cheatée. On l'a vu là, sur les longues distances, elle est vraiment OP de ouf. Elle est beaucoup plus précise que l'AK, y a le zoom en plus, donc faut faire très attention à cette arme. Lucky qui garde le cross sur la bombe, et Shox qui est parti au niveau du B, push le B et qui va arriver dans le dos, dans le pop. Comme ça, il va totalement bloquer la Roro. Et Lucky qui le tue. Merci, au revoir. Superbe round de la part de Lucky. Et Shox qui rattrape. Et Kenyes, le 3K, fantastique. Voilà. Jackie qui prend son pop très fort. Kenny en longue ligne. Amanek qui fait un kill. Jax, il est déjà dans le pop et il a fait le taf derrière. Là, pour l'instant, c'est gros mur de la part de G2. On kiffe sa mère. Hein. On kiffe sa mère. Il y a du beau jeu. Défensivement, c'est fort. Les mecs sont on point en termes de headshot. Les rotations sont clean, ça coulisse. On n'est pas naïf de rien du tout. Voilà, Amanek qui fait son petit kill. Il reste un seul mec. Voilà, et c'est 2 balles. Vous voyez, on est là en termes de skill. On est là en termes de rotation aussi. On s'aide bien. Rappelez-vous aussi du round où c'était passé B et Robs avait rushé le spawn CT. Il y avait Amanek qui l'avait attendu au spawn. C'est significatif de la non-naïveté. C'est significatif du QI, tu vois. Les mecs, ils sont open, ils ont l'esprit ouvert, ils savent c'est quoi les potentiels dangers. Le mec, il peut rusher spawn. Amanek l'a attendu, il s'est fait éclater, mais il avait attendu et tout. Donc là, je trouve que G2 joue très bien. Il joue très, 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 très bien. Voilà. Kenny qui push. Amanek qui fait le kill en revenge sur Woxy qui le met le HP à la M4. Et que le revenge, enfin il s'auto-revenge à la mollo. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Pour l'instant, on est toujours 2B. Kenny a pris le team main. Superbe round. Voilà, là il sait qu'il s'est échappé. Mais le truc, c'est qu'il a déposé Jax. Voilà, il a déposé Dak dans le team main. En Rob, s'il a évité un suicide direct, Lucky le rate. Shox en action-réaction. Et vraiment, pour l'instant, G2, ils sont en train de proposer. Vous voyez là les binômes. On a Jax, Kenny dans le team main. Shox, Lucky là, au niveau du B. C'est passé au niveau du B-bas. Hein. Karrigan est passé au niveau du B-bas. Shox est passé au niveau du B-haut. Ça peut être très, 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 très dangereux. Très, 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 très dangereux.
Kerrigan, là, il a l'intention de dire c'est du B. Hein. Il est en train d'essayer de clear le B. Regardez sur la carte, Kerrigan, il revient sur le B. Krigi est en train de revenir au niveau du B par, voilà, par les toilettes, on peut le voir. Là, il va aller tuer. Voilà, il va aller le tuer. Il va attendre un maximum que Krigi se rapproche pour faciliter les rotations. Là, il le tue. Et maintenant, il bloque la rotation. Voilà. Magnifique round de Kerrigan. Hop. Voilà. La bombe va être plantée. On est en 2v3. On a l'info maintenant que Kerrigan est au niveau du oil et à push. C'est un superbe round ça, superbe round. Hop, on est déjà dans le cul. Jax a mis mid HP, mais grosse pression. Kenias a brûlé un petit peu. Les deux sont au niveau du pop. Voilà, Lucky qui fait le taf. Maintenant, il nous manque l'info de Kerrigan. On savait qu'il était oil il y a longtemps, mais il peut être partout. C'est train, de toute façon, on sait qu'ils peuvent être partout. Là, on attend. Voilà, superbe round. Oh là là. Maîtrisé. Des deux côtés. Genre, je vais pas mentir, mais moi, ça, c'est le CS que j'aime voir. C'est pas les execs de merde qu'on a vu tout à l'heure. Vitality, Dream Eaters, G2 contre Tailou. Tailou faisait de l'exec pourri, là, il y a je sais pas combien d'années. G2 contre je sais pas l'équipe pourrie à chaque fois, là, ça fait des execs, les Russes et tout. Ça, c'est le jeu. On voit bien que là, c'est jeu structuré académique contre un jeu structuré académique. Kerrigan profite d'une faille, il essaye de s'infiltrer. Et c'est logique, même pour moi c'est logique de dire il va faire ça, c'est ça son intention, parce que c'est la logique de CS de faire ça. Donc là c'était magnifique, que ce soit le 2v4 de la part de Kerrigan, et pareil de la part de G2 qui coulisse, c'est fluide quoi. Allez on perd le fil, Woxic qui fait l'entrée sur Kenny. Ça c'est le karma pour avoir dit ouais prends ma CFG. Et là on est en 4v5, on va voir la réaction maintenant. On a pris le Ivy. Jax, oh ouais non, là je fais de la merde moi. J'ai raté hein, forcément, hop, je vais le retourner dans le rapide. 3v4. 2v4 désormais. Le but maintenant, je crois que ça arrive dans le cul. Là il vient d'entendre les scopes de la WAP. Il profite pas de son timing. Allez maintenant, voilà, Choc qui profite de son timing. On est 2v2 parce que Lucas a réussi à créer une diversion. Kerrigan ne regardait pas Choc parce que bah, Lucas a fait le kill. Donc Kerrigan était obligé de se retourner. On est en 2v2, la bombe est à terre. Choc fait le move. Regardez, il a push le Ivy. Il va arriver dans le QT main. Choc fait un move super intéressant. Et dans 3-4 secondes, il y a moyen que Rops. Voilà. Et c'est Rops qui gagne son duel. Lucky le sait maintenant, il est en 1v1. Sur 10 secondes de timing, il est en 1v1. 5 secondes, pardon. Il a full stuff, il peut smoker pour essayer de bait les terreaux. Il sait qu'il y en a un potentiellement. Enfin, c'est trop facile. Superbe round de la part de Mouz, bien exécuté. Des entries, les shots qui sont partis. Donc là, on part sur un fake en A pour aller B. Ça va rusher B fort. Oh, Manek a les infos au niveau du son. On crache le stuff. Oh, il s'est bien fait bait là. Magnifique. Magnifique move de la part de je ne sais qui. Hop, voilà, on déboule. Voilà, Shox qui fait le 3K. Lui qui en fait le binôme là. Oh, là, là. Le mur. Hein. Vraiment le mur. Rosen. Soit il est drogué, soit son PC a crash. Vas-y là, nous la faites pas Mouz. On les connaît ça. On les connaît les techniques. Ouais, le PC accroche, on redémarre le round. Ma bite. C'est parti. On est en écho côté mouse. Et ça va bien se passer. Lève le chat émoticon, c'est nimp. Kenny qui fait un kill, Amanek qui a pris un gros one dig. Lucky qui arrive à faire un kill derrière pour rétablir la balance numérique. On est en 4v3 avec Frozen à 1 HP. Ça va finir très très vite ce round. Allez, 3, 2, 1. Ouh! Frozen! Il est passé à gauche. Il a 1 HP, 1 HP. Allez Kenny, viole-moi sa mère là. Viole-moi sa mère. Voilà, Richard est là pour veiller au grain. Frozen à 1 HP désormais. Va-t-il le faire? Eh ben non. 10-1, on peut d'ores et déjà dire que le side est réussi. Le side est réussi, ne serait-ce qu'en termes de score, mais surtout, la structure de jeu est vraiment clean. Les headshots sont mis, là G2 sont très convaincants. Très convaincants. Je suis vraiment content de voir ce G2 à ce niveau-là.
Il a pris un sacré one, Lucky, là, dans le Zen. C'est incroyable. Au Zen, il cheat. Ah, c'est là, hein. C'est là où tu vois que les mecs, ils peuvent démarrer à tout moment, tu vois. C'est des YZ, les types. Des motocross. À tout moment, tu fais du wheeling avec. Gros soleil, sa mère, tu te retrouves par terre. Là, petit run boost pour essayer de niquer la mère à Kenny. Mais Kenny, tu crois que tu vas lui faire? Tu crois que tu vas lui faire, hein, Kenny? T'es un ouf! Voilà, donc là, Kenny qui viole des darons. On est en train de se replacer pour lâcher le Ivy. Parce que, bah, vu que tu fais un kill à la WAP au niveau du Ivy, ça tétanise un peu. Tu dis, putain, il y a la WAP Ivy, on a peur. Donc là, on a bien vu Krigi qui s'est barré. Karrigan qui prend le Ivy en leurre. Vous pouvez voir en haut à droite de la carte, il reste que Karrigan. Alors qu'à la base, ils y étaient allés à 3. On est à 2B défense. Et regardez, on a Jax Amanek proche du pop. Et Kenny proche du train rouge. Donc regardez, Kenny, il est là, il prend le Ivy d'ici. Ça veut dire que lui, potentiellement, si ça passe Ivy. Voilà, derrière, il va là et il garde le QBP ici. Et eux, ils sont grave focus au niveau d'ici. Donc là, défensivement, c'est très très clean ce qu'ils nous font les G2. Hop, on repart sur de l'auto. On a une exec en B. Ça va tomber sur les frérots Shoxi et Lucky. Voyons voir ce qui se passe. Ah, Kenny qui fait un kill. Amanek, 2, 3. Ils vont être enfouinis par contre sur Kenny là. Il rate, c'est pas grave. C'est pas grave. Last e-box, on a l'info. Allez, allez. La Kenny grid là. La Kenny grid. Mais baise-moi le cul. Tu fais des 3K, baise-moi le cul, Kenny. T'as le droit. Choc si Jésus papillon. Ah. J'y avais entendu. On save les deux AWAP. 11-1. C'est vraiment très très convaincant ce que je vois de G2. Je suis vraiment content. On a de l'argent. On peut se mettre bien. Oui, le roi des animaux, ouais. Ouais. Tu t'appelles le roi des animaux, je te signale. Et tu viens me parler de vocabulaire. Les modos, on se fait plaisir dans le chat. On ban, on ban, on ban, on ban. Faites-vous kiffer. Kenny Isro, mais baise-moi le cul. Exactement. Alors, il faut de la folie un peu, tu vois. C'est lui qui peut apporter de la folie. Un peu de. On le sait, c'est une bombe à retardement, Kenny, tu vois. À tout moment. Oh là là, grosse exec en A, c'est sorti. Amanek qui prend l'entrée, c'est pas mal ça, mais il y a des smokes partout, donc ça va être difficile. Là, Karrigan qui fait le taf, Kenny qui rate le kill, 4v4, Jax est déjà dans le cul, 2k de Jax, oh là là, magnifique, magnifique. Maintenant, il sait que là, c'est Rob, c'est un toujours en pupute, lui. Voilà, Jackie, montre-lui, Jackie. On n'a pas peur de nous. Quoi, de nous? On n'a pas peur de vous, nous. T'es un ouf ou quoi? On n'a pas peur, nous. On n'a pas peur, gros, dis-lui. Robs pas Robs, gros, t'es fou, quoi. Te monte en l'air. Donc, cbet.gg, code parrain, MalekCSGO, tout attaché. Et sur Fortnite, code MalekCSGO, mais Malek-CSGO, comme ça. Malek-CSGO. Ça, c'est Fortnite, ok? Et ça, c'est cbet, ok? Merci beaucoup, on vous aime. Allez, Kenny, là, fais-nous plaisir. La flash. On repart sur une agression. Lucky qui fait son premier K. On veut du 2K. Jack qui se fait surprendre. Lucky 2K. Ouais, je l'avais call le 2K. Kenny qui enchaîne. 3 kills. Ouais, ils n'y arrivent plus. Ils sont asphyxiés. Amanek qui fait le petit revenge au Calmito. Là, les mousses, ils n'y arrivent pas. Ils se sont fait asphyxier. Il y a des étranglements qui partent là, dans tous les sens. Ouh, c'est un match de MMA le truc. Underscore plutôt, tiré du 8. Ouais, la touche 8, tu vois. Tu sais, il y a des mecs, frère, ils sont démembrés au niveau du cerveau. Donc il faut leur dire le nom de la touche. Parce que même le tiré du bas, il faut que je dise underscore, frère. Quoi? Tuto pour tout, frère. Voilà Lucky! Tous ceux qui critiquaient Lucky là, voilà le double snipe. S'il avait un rôle très difficile, il était B-fix avant. Regardez, là maintenant c'est Shox qui prend le B-fix. Donc au niveau des stats, ça se sent, tu vois. Il fait 10 kills. Et Lucky, regardez, il en a 14. Bon, là, par contre, il y a 13-1, c'est tartinade pour tout le monde. Mais, tu vois bien que ça a un petit impact, quoi. Ça a un petit impact, quand même. Donc, baise-moi le cul, G2 eSport. Très, très fort. Vitality, par contre, on va te retrouver. T-Max et la cagoule sont préparés.
À tout moment, on déboule en bas de Gilles Beloco, frère. On sort Ziwo par les chevilles. Rends-nous notre argent. 13-1. Le frérot Karigan, il est passé à gauche. On va lui mettre une HE. Ah, dommage. La HE, là. Oh, la manec. Dommage. Mais la HE, elle aurait été belle. La HE aurait été belle. Mais pourquoi mettre une HE quand on peut mettre en one tap? C'est ça, la vraie question. Alors, Rob, s'il est sorti, ça y est, il a arrêté de lurk et de bait. Mais sauf qu'un manec, frère. Tu le connais pas, gros manec. Il est trop chaud. Jackie se fait surprendre un peu. C'est pas grave. Kenny aussi. Frozen et Krigy qui rétablissent la balance numérique en 3v3 désormais. On n'est pas trop mal. On a Shox qui fait la rotation. Le B a été lâché. Il est déjà ancien BP. Et il va peut-être réceptionner la bombe. Regardez Shox. Il va être en contact avec Krigy là. Shox. Oh non. Oh non. Shox. Check à droite, frère. Fais-nous kiffer. La Manek est dans la merde, il a un HP, il a déjà fait 2K. Il arrive à faire un troisième kill en surprenant avec sa pose. C'est vraiment lourd là ce qu'il vient de faire là, Manek. Lucky en 1v2. Oui, le 1v1 désormais. Krigy est bien placé quand même. Krigy est vraiment bien placé. Il a bien fait le tour. Lucky n'a pas de smoke. Ouais, il se doutera pas. Ouh, ça aurait passé là. Aïe. Mon anus est dilaté. Ah, bien joué de Krigy. L'XP, les amis, l'XP. Vraiment gros clutch de Krigy. Superbe side de la part de G2. On va voir maintenant comment ça se passe. Parce que là, concrètement, c'est chaud. Let's go G2. Allez, le match est parti. On a le pistol. On a Jackito et Shoxy en stuffer. Les flashs sont partis. Amanek a pris des petites infos juste en petit, petit jump. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est vraiment pas mal. On est en IV, double IV. Ça arrive IV. Il va y avoir des contacts, les duels. Allez, on met du gros. Ouh là 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 là. La HE qui a fait des dégâts. Kargan, il a mis une HE IV, frère. Plus un headshot. Fouh. On retrouve Kenny à 40 HP. Jackie à 60. Et Lucky, mort. Amanek qui a un contact au niveau du team main qui se fait aider. Il va sortir désormais. Oh là 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 là. Regardez, hein, franchement, je vais pas dire quoi que ce soit. Mais là, le pistol est maîtrisé. Maîtrisé de la part de Nooz. L'action-réaction, ça coulisse bien sur la map. Allez, Jackie, on croit en toi. 1v5, 1v4 désormais, 1v3 désormais. Avec Krigy à 1 HP, Frozen à 37 HP. Toi, t'as un P250, c'est une balle et deux balles dans le corps pour faire 2 kills déjà, c'est pas mal. En plus, il a la bombe sur le dos, il peut le faire. Il peut grave le faire. Mais voyez, hein, Mouz, croyez-moi, c'est pas gagné. Là, même 13-2, ça joue bien, ça se voit que ça coulisse. Setup défensif au niveau du IV. Prise IV, action-réaction, on push le team main, on met pression team main. Oh! Jackie! Oh mon dieu! Baisse-moi le cul, Jackie! Le one tap! Avec Krigy à 1 HP! Ça commence à trembler de la rondelle là chez Mouz. Le clutch, les amis, le clutch! Le clutch, oui monsieur! On y croit! 17 secondes restantes. Krigy en PLS. Woxic le kebabier. Wouh! Jackie! Non! Jesus Christ, pourquoi je l'ai insulté? Pourquoi j'ai insulté de kebab? Pourquoi j'ai insulté de kebab? Oh, c'est le karma, c'est le karma. J'ai perdu mes 50 balles. Je vous jure, c'est le karma. Oh là là, Jackie. 1v5, les amis. Oh là 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 là. C'est bet.gg, mettez tout votre argent sur G2. À tout moment, on est à Cancun. Ah oui, les vidéos YouTube en direct de HLM, c'est fini. On va être au bord de la plage avec des putes derrière juste pour danser en string. Je vous le dis. Ah oui, juste pour le background. Juste pour le spectacle. T'imagines ou pas? Tuto des fesses derrière qui tam-tam. Oi, 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 incroyable. Let's go. G2, on fait full écho alors qu'on a planté la bombe, on a un plan de jeu derrière, c'est qu'on veut buy le prochain round. On veut rentrer dedans, on veut asphyxier les mecs, c'est pas mal, je kiffe.
Shoxi qui se fait torcher par Crazy. Regardez, hein, on laisse pas d'espace. Ça joue bien chez Mouz. Hein. Je vous jure, c'est que ça coulisse. Les mecs sont 4 en A. On délaisse le Ivy. Karrigan revient sur le BP là. C'est pas mal. Voilà, on renouvelle la smoke vers le pop. On va défendre le Ivy. Côté Woxic, voilà. Oui, bah oui, bah oui. Donc toi, tu viens de nous mettre un pistol et tu rates tous tes kilos, scout, sale bâtard. Let's go. Millions de vues en 24 heures. Voilà, Karrigan qui spray. Ça passe. Il a prié tous les dieux pour que ça passe, hein, je vous le dis. Je vous jure qu'il était en spray et il donnait pas sa com. Il était dans le mode Shadow, lay, lay, la, la. Jésus, Marie, Joseph et les soldats. Blasphème, blasphème, Malek. Oh merde, tu vas pourrir en enfer. J'accepte. Qui se rappelle de Virtus Pro? Ah, ça, c'était l'époque, ça. Franchement, Snax, c'était mon bébé, gros. Je te le dis. Je suis déçu de Snax. De sa descente aux enfers. Mais honnêtement, moi, les Taz, les Pachas, ça m'a jamais fait rêver. C'était des mecs qui étaient pas impressionnants. Enfin bref, on s'en fout. Côté G2, on a la WAP, on a full stuff, on a la SG. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. On est solo B, côté... What? Qu'est-ce qu'il fait, Robs? La 3 kills, gros, il tend des trucs comme ça. Incroyable. On est double setup pop pour Krigi et Frozen. Regardez sur la carte, en plein milieu, si vous voyez des trucs. Donc là, Lucky fait un kill. Krigi Revenge, il est obligé de lâcher. Hein. Il peut pas tenter ça parce que là, il va se faire stuffer et tout. Ouais, vous voyez, ça coulisse. Ça coulisse, il y a du mouvement sur la map. On n'a pas peur, on prend. On perd 13-4, mais regardez, hein, on délaisse rien. Il était dans le pop et désormais, il est dans le team main, le frérot Krigi. Hein. Vraiment, ça joue très, 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 très bien. En plus, il met présence. Ça veut dire que, inconsciemment, là, G2, ils se disent, il y a un mec dans le pop et un mec dans le team main. Alors que le même mec, c'est Krigi. Et regardez, il y retourne. Donc, c'est pour vous montrer que les mecs, ça joue intelligemment, ça utilise bien son stuff, ça coulisse, ça se laisse pas faire. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Allez, prise Ivy, vraiment pas mal, c'est le bon call. Parce que là, on est regroupé en 2B, en 4v4. Donc, superbe call pour l'instant de la part de G2. Ça finit en A. Les rotations vont être longues pour Robs et Woxic, qui sont quand même bien, bien ancrés en B. Donc, surtout que Woxic, il est BO. Là, il y a du stuff Ivy. Ça bouge toujours pas sur le B. Ça bouge toujours pas sur le B. Si Woxic commence à bouger. Voilà, hop, le kill est fait. On a peur maintenant du pop ou du team main. Voilà, oui, Shoxy. Oui, monsieur. Nique lui sa mère, gros. On blague plus, nous, gros. Donne-moi mon argent, gros. C'est pas mal, ça. 4v2. On remporte avec un choix tactique vraiment très bon. On va sur une faiblesse. On appuie sur la faiblesse du Ivy. On sait que les mecs... Alors, je vous explique le choix. Je vous explique le choix. On sait qu'il y a une présence au niveau du team main. On sait qu'il y a une présence au niveau du pop. Ben forcément, ils peuvent pas être partout sur la carte. C'est un principe de zonage. Je vais faire un tuto là-dessus pour vous expliquer, pour que vous compreniez mieux. Tu peux pas avoir un mec pop, un mec team main, deux mecs Ivy, c'est impossible. Donc tu vas sur le Ivy parce que potentiellement t'es 3 contre 1 ou 3 contre 0. Et là c'était magnifico. Shox il a spawn comme un Pokémon légendaire. Ah ouais frère. Mewtwo level 3 dans les hautes herbes quand tu cheatais frère sur la Game Boy. Tu t'en rappelles ou pas de celui-là? Ah bah là c'est Shoxy Jésus Papillon frère, il a débarqué. Ouah, Mewtwo frère, direct. Capturez-le. Instantanément gros. Qui c'est qui clonait les Pokémon à l'ancienne? Hein? Est-ce que vous avez pas honte? Non, faut le dire. Moi j'étais content frère, j'avais des Dracolos niveau 5. J'étais comme ça frère. Ouais, tu vas faire quoi? Oui, j'allais niquer la mère à Ondine et à Pierre, badge numéro 1, badge numéro 2. J'avais des Dracofeu, feu frère. Oui. Allez, go, j'ai deux là. On blague plus. J'ai pas d'âme. Donc là, on est là, 5v5, ça force, hein. Mais en coulisses. Frozen et Krigi qui viennent attaquer le team main, on est pas mal. Là, ça joue lent. Il y a un scout. On laisse jouer Kenny surtout. On attend que les smokes se dissipent. Tout ça, tout ça. On attend.
On veut des contacts. Le plan de jeu clé est clair, par contre, on veut attaquer le A. Là, on va dézoner le électrique et tout. C'est vraiment bien ce qu'ils font. Et on va se regrouper en B, là. Qu'est-ce qu'ils nous font? Prise Ivy, regardez à Manek et Shox tout en haut de la carte. Allez, faut le kill. Shox fait le revenge. On est 3v4 désormais. Donc, ils savent que c'est ça. Et là, on se regroupe en B. Donc, le call est bon. Le call est bon, surtout que Woxic a 15 scouts. Ah, oh, ouais, mais il a touché un mec. Oh, Kenny lui défonce sa mère. Ça, c'est pas mal, ça. Voilà, Lucky. Là, on est bien. Là, on est bien. 2v2. 2v2, on est grave bien. Bien géré. On a un kit côté Kriji. Faut pas l'oublier. Oui, Kenny! Oui, Kenny, monsieur! Oui! Oui, monsieur, MVP du Major. Rien à foutre. Allez, Kriji en 1v2. Il a une smoke, un kit. Kenny qui saute un peu comme une cacahuète. Il smoke direct, il y va, 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 il y va. Non. Ah, Kriji, 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 je vais te niquer ta race. Ça a failli passer le coup d'AWAP. Ouais, mais là, gros, il a plus besoin de sauter, en fait. Tu vois, Kenny, il faut qu'il reste caché BP. Il a du stuff, tu sais, mais une flash clic droit juste pour bait, tu vois. La bombe, elle est posée milieu BP. Et à Lucky, il est dans le B bas, on sait pas pourquoi. C'était incroyable. 14-5, on a planté la bombe, ça nous permet de racheter et de, on va dire, de pas laisser s'emporter Mooze au niveau de l'économie. Regardez, Woxic n'a pas de stuff, Karrigan non plus, Robs non plus, donc c'est pas mal. Et là, on fait un rush B. Oh là 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 là. Et on te fait drive-by au Mac 10! Merci, Lucky! Allez, la 5v4, et on push, et on push, et on push, et on prend, voilà, on prend l'espace. Surtout très important en B, c'est comme ça qu'il faut jouer. Prenez l'espace. Une fois que vous avez pris les kills, prenez l'espace. Comme ça, la retake est impossible. Karrigan fait un kill. On sait pas comment, on sait pas de où. Mais on va mettre le round. Ah, il avait déjà repris au niveau du spawn CT. D'accord. Oh, là, on a une info sandwich. Middle bomb, je sais pas comment vous appelez ça. On smoke la bombe histoire de bait. Voilà, Jackie! Jackie! Allo, allo! Shox, 1v1. Frozen a un kit. Frozen a un kit. Ouh, et Shoxy qui le met. 15-5, les amis. La madre à Copacabana. C'est parti, là, le 15-5. Ah ouais, Lucky, là, il est parti. Mac 10, drive-by, carjacking. Bonjour, monsieur, donnez-moi les clés. Jax aussi, hein, il a fait un gros round là au milieu du BP, il a mis des gros headshots, 2 kills super importants. Après, tout le monde a grid un petit peu, je pense que c'était la panique sur la com. Genre, train rouge, fond BP, fond BP. Tout le monde a décalé en même temps sur l'excitation de la com. Et là, 15-5, on est bien. L'argent, par contre, est vraiment dans la merde. On fait un petit pic, voilà. Superbe move, par contre, du frérot là. Frozen. Voilà, on est là. 3v2, 4v2, 3v1, 0v1. Et merci du tout, et merci du tout. Première map, elle l'est mise. On va aller sur D2 pour la deuxième map et on va espérer que ça passe. Et G2 en 3-0, les frérots. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Superbe match de la part de G2. On s'est laissé emporter par l'euphorie là, les quelques rounds. Mais je veux revenir à la base, c'est-à-dire la tactique. G2 a maîtrisé. Quoi? G2 a maîtrisé son adversaire. G2 a maîtrisé sa map, a bien joué en CT, bien coulissé dans la défense. Karrigan, mais qu'est-ce que tu fais, gros? T'étais le... Non, je t'aime trop, je l'aime trop, en fait, Karrigan. Plus, je le connais personnellement, c'est un bon gars. Je vais pas t'insulter. Voilà, fais-toi niquer. Ah, merci, au revoir. Superbe match de G2. Superbe match de tous les G2. C'était vraiment bien structuré. Dans la défense, c'était excellente. L'attaque, il y avait de l'idée aussi. J'ai kiffé ma race.